Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Renard France. Alors aujourd'hui un petit tuto comment obtenir des jetons de déblocage. Les jetons de déblocage qui vous permettent justement de débloquer votre doctrine. Alors des fois il vous manque un point, des fois il vous manque deux points. Pour mon corps il me manque aucun point, mais c'est juste pour vous faire montrer un petit gameplay assez important. Alors vous allez au voyageur à la tour. Ensuite, vous vous dirigez directement voir Ikora, qui est ici. Ikora. Ensuite, quand vous arrivez vers Ikora, vous vous proposez diverses missions qui s'est passées déjà dans tous les Destiny ou même le Destiny 2. Alors, c'est simple, vous acceptez une mission, vous en prenez une, hop. Ensuite, dès que vous l'avez pris, vous allez ici, vous l'activez. Là, vous allez commencer à faire la mission. Dès que vous allez terminer la mission, vous allez automatiquement revenir à la tour. Ensuite, il vous faudra, quand vous êtes là-haut à la tour, il vous faudra arriver en courant jusqu'à Ikora. À ce moment-là, vous faites carré. Vous ferez, vous aurez trois jetons. Donc, vous ferez tac, 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 les trois jetons. Et dès que vous serez arrivé à ce moment-là, vous allez dans votre doctrine. Si par contre vos doctrines manquaient un point ou deux jetons de déblocage, et ben à ce moment-là vous les aurez directement. Voilà. Donc je sais que la méthode est simple, car on m'a dit qu'il fallait faire du PVP pour que ça débloque. J'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup de PVP. Et c'est vrai que ça m'a débloqué un jeton. Il faut savoir que quand vous allez faire cette mission vers Ikora, vous allez débloquer 3 jetons. Donc 3 jetons par personnage. Ça va très vite. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et bien sûr de mettre des gros pouces bleus. Je vous dis à très bientôt les amis. Allez, peace!